disais, ben, c'est notre 8e édition, donc ça commence à faire pas mal de temps, et donc ça prend de plus en plus d'ampleur, ça se connaît, tous les étudiants connaissent ça, attendent ça depuis le début de l'année. Donc on est toujours sur les activités de forme et les activités de bien-être. Donc en bien-être cette année, on avait du yoga, de la méditation, de la sophrologie, de l'ostéodance, du pilates, qu'est-ce que j'ai oublié, du shiatsu, voilà, donc toutes ces activités-là de bien-être, parce que c'est bien que les étudiants connaissent ça, c'est vraiment le sport santé qui se développe de plus en plus, donc il faut axer ces activités de bien-être, il faut vraiment insister dessus. Et on a les activités de forme qui ont toujours autant de succès, le step, on avait le functional training cette année, c'est une sorte de crossfit, on a essayé aussi cette année, c'est nouveau, c'est de la savate form, donc c'est comme du body boxing. Et puis on a la fameuse Zumba qui marche toujours très très bien. Donc voilà, on a aussi les défis muscu, l'escalade, donc plein d'activités dans tous les gymnases qui regroupent 300 étudiants, vraiment dans un esprit très très convivial et très sympa. Et qu'est-ce qui t'attire dans ces activités-là, pilates et escalade? C'est que je suis quelqu'un de très compliqué en sport. Je fais pas n'importe quoi comme sport. Si ça me plaît, j'y vais. Et l'escalade, je trouve ça vraiment, au-delà d'être utile en vrai, je trouve ça super sympa à faire en fait. Et puis comme j'en ai jamais vraiment fait, j'ai jamais eu de cours d'escalade, j'ai vraiment envie d'essayer. Et pilates parce que... c'est un peu comme la gymnastique, et j'ai fait de la gymnastique, j'aime bien, voilà. Gérant de la salle de musculation, c'est d'organiser quelques défis qui ont rapport avec ce sport. Donc on a organisé des défis de traction, de corde à sauter, de développer couché, et ainsi qu'un petit jeu, un peu physique avec des exercices au poids du corps et des lancers de ballon un peu lestés, de façon à ce que tout le monde puisse participer et pourquoi pas avoir un petit record affiché plus tard dans le centre sportif. C'était très perturbant. Hein. Compliqué. Ouais. Pourquoi?
faire parce lentement. Que, ça va travailler énormément les bras et les jambes. Voilà. On a l'habitude d'aller très vite dans les mouvements et là on peut leur prendre notre temps, poser chaque moment. On fait de la danse, nous, chacune, différente. Et donc là c'était vraiment lent et il fallait vraiment se concentrer sur chaque truc. Et... C'était bien. Mais c'est sympa. Ouais, c'était vraiment sympa. Bonne expérience. Ouais. Très bien. Ouais, ça permet c'est... de découvrir des sports qu'on ne fait pas d'habitude et du coup c'est sympa. Des sports ne sont pas forcément à la fac et du coup c'est sympa. Donc, des ateliers découverts. Est-ce qu'il y a un lien entre ben, là, la relaxation et vos cours? Est-ce que vous avez besoin de relaxation? Personnellement, je dis c'est le jour que je déteste. Oui, toute notre licence, je pense. Oui, je dis ça tombe bien.